Au coin de la rue Sandoa, Valérie a installé son petit salon de coiffure. Nous sommes dans la commune de Kassavubo. Il y a quelques semaines, le coiffeur n'avait pas assez d'espace pour recevoir tous les clients. Depuis l'annonce de la pandémie de Covid-19, cette petite unité de production qui assure la survie de ses jeunes et sa famille tourne au ralenti. Dans le passé, j'avais du mal à accueillir les clients faute d'espace, surtout les dimanches. La crise de la Covid-19 a tout changé. Aujourd'hui, je peux rester des heures sans en recevoir. Je travaillais avec mon jeune frère. Avec la crise, j'ai été obligé de lui demander de rester à la maison jusqu'à ce que la situation se normalise. Dans la capitale Kinshasa, la situation est pareille dans plusieurs salons de coiffure. Belezi emploie 3 coiffeurs dans son salon. Il devrait les faire partir par manque de clientèle. Cependant, il a décidé de les garder avec espoir de voir passer rapidement cette crise. Les gens se coiffent souvent quand ils vont dans les églises, au travail, etc. Avec le confinement et les mesures restrictives prises par les autorités, beaucoup ne se donnent plus la peine de se coiffer. Et nous en payons le prix. Le souhait est qu'on puisse déconfiner la ville. Avec 69 personnes décédées sur 3049 cas confirmés dans l'ensemble du pays, la crise due à la Covid-19 affecte les secteurs informels qui assurent la survie de la majorité de la population. La commune de la Gombe étant le moteur de la capitale, beaucoup en appellent à son déconfinement total, une hypothèse en étude par les autorités de la capitale.